Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream. Alors, petit stream un petit peu particulier si je peux me permettre de flex rapidement. Excusez-moi, je vais carrément... Voilà, c'est ça le travail. Voilà mesdames et messieurs, aujourd'hui, salut Flavilou. Mais comment ça va? Salut Hugo, un Rocket, ça va arriver, on va juste taper une petite demi-heure de nostalgie rapidement parce que j'ai absolument rien prévu. Mais mesdames et messieurs, aujourd'hui, ça fait 7 ans, jour pour jour, que je me suis dit, et si je crée une chaîne YouTube? Voilà. 7 ans. Ouais, non, mais ouais, c'est très compliqué. Mais non, tranquille, bonne année, bah, merci, je me sens vieux, j'ai 7 ans, voilà. Ça explique la qualité des blagues, ceci dit. Mais ça va, et toi? Moi, ça va, tranquille. Bon, j'ai les deux modos un peu... pas en train de bosser les deux modos là normalement, ils sont pas censés être sur Minecraft là? Non, pas sur Minecraft. Ben putain, c'est pas Minecraft là? Mais ça va, écoute, je m'en sors comme je peux. Oui, salut Mick. Enfin, à mon âge idéal. Ouais, alors il y a 7 ans, j'avais pas ce genre de gens illégaux dans mon chat par contre. Mais non, voilà, ça fait 7 ans et puis voilà, donc. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà, je n'avais rien pour faire à la base. Je me suis rendu compte que ça faisait 7 ans il y a une semaine. Enfin, qu'aujourd'hui ça faisait 7 ans, mais il y a une semaine. Et en fait, j'ai rien préparé. Parce que j'ai été omnibulé par les autres montages, tout ça. Parce que le montage de Pokémon, mesdames et messieurs, avance extrêmement bien. J'aimerais pas j'aimerais pas acheter la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais mesdames et messieurs, quand même, la vidéo Pokémon va être extraordinaire. Mais pour ça, il y a encore quelques petits problèmes à résoudre, malheureusement, que je ne peux pas forcément résoudre tout de suite. Mais ça travaille dessus et j'avais complètement oublié l'anniversaire et je me suis dit, techniquement, c'est quasiment la première fois que je le fête. Est-ce que j'irai pas directement faire un petit stream de nostalgie? Bah, c'est clairement ce qu'on va faire, mesdames et messieurs. Hop, on va commencer par ça. Alors, mesdames et messieurs, faut savoir une chose. Déjà, il y a 7 ans, mon nom, c'était pas Loki, c'était Kikool du 31. Alors, non mais ça peut aller très loin, la blague sur le Kikou, mais en vrai de vrai, il y avait quand même plus de recherches que ça. C'était pas juste ça, à la base. Bonsoir, monsieur, bonsoir. Alors, à savoir que monsieur Wellen Snow... à une chaîne de critiques cinéma qui, de temps en temps, sont bien, de temps en temps, sont plus des avis plus ou moins catastrophiques, mais voilà. Voilà, on va pas se mentir que j'ai adoré ton avis sur le cinquième Hunger Games. Un petit peu moins quand t'as dit que des films étaient bien, qu'ils étaient pas bien, que j'ai pas accroché, mais... mon petit Kikool. Salut, Jean. Mais, oui, c'est ça, Hugo. Hugo a connu Kikool parce qu'il est passé sur des streams où j'ai eu des gens un peu chelous à des moments donnés. Mais non, à la base, je m'étais appelé Kikool parce que ça faisait la moitié avec mon prénom et l'autre moitié avec l'agent Coulson. Non, voilà, c'était la simple... il y a 7 ans, j'étais à fond dans l'agent Shield, en fait, c'est très simple. Mais voilà, en vrai, voilà comment j'ai démarré. Et surtout, j'ai démarré sur PS4. Alors, c'était très différent de maintenant. Et il y a 7 ans, j'avais quel âge? Salut, Jean, pour le 15e... Voilà, bon, tout tombe bien parfaitement. Merci pour le resub, c'est très gentil. Alors, on ne critique pas la voix, parce que la voix d'il y a 7 ans, c'est la voix de quelqu'un qui a 22-7, 15. 15 ans, des gens chelous comme toi. Ah, moi, j'étais chelou. Moi, quand j'ai débarqué sur YouTube, je disais, j'arrivais dans les chats et je disais possible d'une dédicace. Voilà, moi à 15 ans sur YouTube, c'était le genre de mec comme ça. Donc en vrai, oui, des gens chelous comme moi, oui, tout à fait, voire plus chelou par moment. Mais voilà, je fais comme je peux pour me sauver la vie. Salut Flavilou, ma semaine. Salut Astu. D'accord, ok, possible d'une dédicace. Ok. Je sais même plus comment les gens te disaient dédicace. C'était en mode ouais, dédicace à Wellen Snow, un truc comme ça, je pense, avec une petite voix un peu débile, un peu spectaculaire. J'y peux rien. Mais ouais, alors bon, faut savoir aussi une chose.
À l'époque, je ne savais pas ce que c'était la différence entre streamer un jeu et mettre une vidéo sur YouTube. Alors, du coup, je streamais tous mes jeux. Du coup, je faisais des streams de 20 minutes. Mais c'était en direct, ça je le savais par contre, bien sûr. Mais on espère voir le 24 heures sur Alien, mais en fait, l'astu, il n'y aura jamais de 24 heures sur Alien, et ça, il va falloir commencer à. Parce qu'en fait, je t'explique, l'astuce n'était pas là, mais il y a une semaine, jour pour jour, j'ai terminé Cyberpunk. Et je t'explique. T'expliquer ça très rapidement, ça va être très rapide. Cyberpunk, je sais même pas où est-ce que je vais, si c'est là. Cyberpunk a un petit passage qui ressemble plus ou moins à Alien. Plus ou moins, attention. Eh bien, j'étais en PLS. Voilà. Donc, 24 heures de ça. Non. Non, non, désolé. En plus, de toute façon, je suis devenu vieux, mesdames et messieurs, et aujourd'hui, je ne serai même plus capable de tenir un stream de 24 heures. Voilà, ça, c'est une catastrophe un peu catastrophique. J'étais sur la bonne route, là. Comment faut que je fasse pour faire ça? Ah, mais si c'est comme ça. Ok. Mais t'as 22 ans. Ouais, mais à 22 ans, je peux pas stream. Je peux plus stream un stream de 24 heures sans tomber KO. Je ne peux plus faire ça, en fait. Ça va, j'ai encore de la place. Large. Je peux plus. Je peux plus. En même temps, tu streams ta trop tard, j'arrive jamais à être là. Après, je stream rien qui t'intéresse de spécifique. À part un petit peu Pokirog, mais. Pokirog, je suis un peu nul à chier, mais je fais comme je peux, quoi. Mais Papy Loki. D'accord. Ouais, bon, on va écouter la voix de jeune Loki qui avait 15 ans. J'avais stream sur Norcorod. Alors ça, c'est encore pour une raison encore plus conne. Il va faire des streams Candy Crush. Des streams tricot. D'accord. Ok. Vous voulez pas des streams aussi où je vous apprends à peindre une assiette ou ça va me rappeler des souvenirs. Mais toi Hugo, si j'arrive à retrouver le stream avec la fameuse private joke qu'on a depuis 10 ans, je serais heureux, tu vois. Alors, du coup, je disais à la base, j'ai streamé Narcorod parce que qui est un DLC du premier Ghost Recon, parce que je voulais l'histoire du jeu qui n'était pas en français sur YouTube. Et je voulais l'avoir quelque part pour m'inspirer de cette histoire du jeu pour mon livre que j'écrivais. Voilà, que j'ai jamais fini. Accessoirement. Bon, ma voix d'il y a 15 ans, c'était quoi déjà? Alors, déjà, l'introduction devait être floppée, c'est encore autre chose. Ça, en même temps, les intros. À 15 ans. De toute façon, à 15 ans, je mets au défi quiconque de trouver une intro qui est stylée, de toute façon. À 15 ans, les gars. Hein? Moi, je faisais comme je pouvais. Voilà. Voilà. Excusez-moi, personne ne peut faire mieux à 15 ans. Ah, du coup, ouais, comme il y avait l'intro, fallait que je dise tout ce qu'il y avait à voir sur cette putain de chaîne, quoi. Mais voilà, tranquille, quoi. Pour pouvoir flex en soirée avec papy. Ça suffit, oui! Mais quand j'ai regardé tes vidéos pour failloter ensuite sur le premier RP. Non, mais enfin. Les RP, c'était vraiment. J'ai fait une pub pour un serveur RP de Marvel sur Discord, mais alors ça, on va jamais en reparler, je pense, en vrai. Ils ont encore les Watchers déchus. Et ouais, ça fait 6 mois que je dis que ça va reprendre. Voilà, parce que Hyde m'a dit, faut que tu organises un truc. Moi j'étais en mode, ouais, t'inquiète, ouais. Toujours rien fait. C'est fou de ma faute. Hein. Mais tranquille, hein, je. Tranquille, les Watchers dessus, ça va reprendre. T'entends rien? Mais tu sais que c'est à fond. Tu sais que ma voix est à fond, là. Je peux vous mettre ça à fond Ce éventuellement. n'est Bah, pas un bon. hasard si la Ah, mais Santa la voix a Blanca est décalé. l'organisation C'est criminelle parfait. la plus rentable au monde. Du coup, le son Elle décage. dispose Bon, d'un celle du réseau jeu, d'agents évidemment. Bon, voilà. aussi structuré qu'à la police Évidemment, je française. fermais ma gueule pendant les cinématiques à l'époque. Avec retrouve J'ai littéralement et cru une ton serveur pour une information pub de d'importance. Facebook. Pas mal, c'est la suite directe de. À l'époque, on faisait des pubs où on pouvait, quoi. Ça parle DLC. On oubliera de mentionner le chat à droite, on oubliera de mentionner le Gotham Knight. Moi, ma voix était Je joue catastrophique. pas Hein. au Call of. Ah, un moment que j'aime bien. Une voix, je joue pas au Call of. C'est. Ouais. Quelle gueule avait mon perso? Non, parce que bon, après, c'est la voix. Après, j'avais un casque aussi, c'était genre ce genre de truc-là. Excusez-moi. C'était genre ce genre de truc-là, donc bon, en même temps, malheureusement, on pouvait pas tout bouffer. Il a quelle gueule mon perso à la fin? On va quand même, c'est le plus important. En vrai, la voix, si vous l'entendez pas, on va voir le perso. Je déteste, mais. Bah Bon, je voilà! vais vous dire. Écoutez, je l'ai Je poncé du jeu vais Division! juste J'en ai prendre rien à taper! trois autres streams. Donc, je vais juste prendre standard. Voilà! Même avancé. Alors, sachez une chose, c'est qu'aussi ce Standard. DLC ne s'est jamais Après, terminé une je. première fois sur mon chat, sur Je mon reste stream, très bon au parce jeu. que j'ai rage quit Donc, à je 15 compte ans. pour mettre des vidéos
jeu. Voilà. Alors, faites savoir autre chose éventuellement. Après. Bon, en même temps, vous n'entendez pas la voix, c'est vachement dommage. Mais il y a 6 ans, j'avais pas la notion de droit d'image. Du coup, la deuxième miniature qui se trouve être la miniature de Injustice, qui était mon deuxième stream, est une miniature qui ne m'appartient pas du tout. Voilà! Surtout qu'il y a Wolverine, alors qu'il n'y a pas du tout Wolverine dans le jeu! 15 ans, déjà en putaclic! Et oui, mesdames et messieurs, c'était à peu près ça. Le Loki d'il y a 7 ans. Voilà! À 15 ans, le petit Lolo faisait déjà du cosplay. À 15 ans, le petit Lolo faisait déjà du cosplay. Il n'y a aucune photo de moi qui ressortira jamais nulle part. Il n'y a que mes parents qui ont des photos de moi d'il y a 15 ans en cosplay, je crois. Je ne les ai même pas sur mon téléphone. Donc, il cosplay le putaclic. Vous voyez, c'était extrêmement rapide. Narcorod 1, Narcorod 2, et là déjà, hop! Deuxième DLC, parce que le premier m'avait cassé les couilles. Voilà, donc là autant vous dire que ça a été très rapide. Bon, il y avait un peu d'injustice. Je flexais un peu, mais en fait, il faut savoir une chose. Injustice, je faisais comme tout le monde. Et me dites pas que des gens faisaient différemment, s'il vous plaît. On joue à un jeu de combat, en général, on prend la manette comme ça, puis on fait comme ça. Voilà, tout le monde faisait comme ça, parce que personne ne savait quelles étaient les touches sur lesquelles il fallait appuyer. On faisait tous comme ça. On essayait de sauter parce qu'on croyait que ça faisait plus de dégâts dans la tête. Voilà, j'ai fait ça, j'ai gagné des combats contre des mobs, jamais contre des joueurs, mais voilà, écoutez, on testait tous comme on pouvait. Je testais des titres un petit peu originaux aussi de temps en temps. Hein, mais voilà, ça c'était il y a 15 ans, quoi. Je prends le pari, ça ressortira jamais de là. Hein. Cosplay de toi en 2018-2019. Après ça, celle-là, Hugo, je crois qu'il y a un monde où elles sont en public, en fait. Hein. Genre, tout le monde les a. Hein. Je crois. 2018-2019, je crois que tout le monde les a. Hein. Un de mes plus beaux cosplays, quand même, si je peux me permettre. Après, je n'ai pas fait beaucoup d'autres. Si on compare à celui de Cable. Ouais, il y a eu quelques petites difficultés, mais non, celui de Loki est propre. Celui du Joker n'était pas dégueulasse, mais voilà, quoi. Mais voilà. J'ai testé Paladin avec un pote de l'époque. Bon, autant vous dire que j'ai jamais accroché, que j'ai jamais restreamé dessus, quoi. Mais tranquille, quoi. C'est pour ça que les plateformes fighters sont mieux. C'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux. Mais voilà, après j'ai fait du Bad Blood parce que Watch Dog est un des meilleurs jeux qui existent, le premier. Et faut savoir une chose, c'est que ce mec-là, qui je sais plus comment il s'appelle dans le jeu, a la même VF. Qu'un acteur que Victor Sullivan. Et je sais pas si on va l'entendre. On va l'entendre juste là. Vous allez la voir. Faites gaffe à vos oreilles, ça va peut-être gueuler un petit peu. Ça s'appelait des semaines détente. Ah oui. Oh, je suis là parce que le siège m'a embauché pour réaliser un test d'intrusion sur vos systèmes. Voilà, c'est la voix française notamment de Al Pacino. Mais avance sur le stream, là, on veut Rocket. Non mais il n'y a pas gagné du temps, c'est pas un jeu d'horreur. Je vais le faire, votre Rocket League de brin là. Mais tranquille. Mais voilà, donc ouais, donc j'avais joué à ce jeu parce que j'adorais la voix française du mec, j'adorais le personnage. Et à l'époque, il y avait des semaines détente. Alors ça, vous connaîtrez jamais des semaines détente parce que c'est ce que je fais tout le temps maintenant. Les semaines détente, c'était simple, c'était les semaines où j'étais en vacances en fait, tout simplement. Et je streamais un jeu en entier pendant une semaine. Genre le but, c'est de finir le jeu en fait. Bon, c'était un DLC, c'était moins dur à finir. Bon, voilà. Là, maintenant que je stream quasiment tous les jours, bon, vous êtes tranquille. Hein. J'ai fait du PVP, mes premiers PVP en stream. Sur Ghost War, ouais, ouais, bah ouais, bah oui, mais excusez-moi, hein. Voilà, Injustice, Deadpool, alors Deadpool est un des rares jeux que j'ai fini sur, ah bah, il y a du Fallout 4 aussi, mais Deadpool est un des meilleurs jeux, que je referai pas en stream, parce qu'il a trop vieilli pour que je puisse kiffer ça tranquillement, Fallout 4, alors c'est marrant, parce que Fallout, c'est marrant, je l'ai commencé, et je sais pas pourquoi je l'ai pas terminé, mais il y a une vidéo, il y a un stream, quelque part, là-dedans, là, il y a un stream qui dure genre 2 minutes, qui doit être pas trop loin, vu que je crois que j'étais paumé, j'étais perdu ou une merde comme ça. Et genre Fallout, je l'ai lâché. Mais genre lâché et lâché quoi. Maintenant c'est semaine d'être H24. Ben voilà, oui c'est ça. Hein. Peut-être qu'il apparaît des vidéos friendzonées. Ah ouais, ok. Je fais juste friendzoné, je me souviens très bien pourquoi ils ont fait autant de vues. Mais voilà, donc un peu de Fallout 4. C'est pour ça que je kiffe le jeu. Et alors là, Destiny 2, c'est là où j'ai pris les premières humiliations scolaires. Parce que je sais pas si vous savez ce qui est célèbre un petit peu, c'est qu'en général, quand on joue. Quand on fait du stream sur à l'époque scolaire, on est facilement une petite cible un peu où les gens nous disent bah alors connard voilà. Et en fait il se trouve que ça c'était hilarant quand même parce que maintenant j'en rigole, mais alors à l'époque j'assumais pas trop au moment Trop du agro pour collège. la semaine détente. Déjà il y a quand même un meilleur son, déjà ça. Mais surtout j'ai Tu streamé prends avec pas ton truc pour faire un Purely match PS4 quoi. d'Injustice en plein milieu de semaine.
Donc j'espère que vous allez bien depuis hier. Voilà, donc autant vous dire que ça, au collège, si je dis à quelqu'un, j'ai stream avec Girly PS4, au collège, je suis un homme mort. Voilà. Donc, évidemment, bah, c'était une femme, évidemment, on a vocal ensemble, donc évidemment, j'en ai entendu parler pendant 2-3 mois à mon collège. Voilà. Alors, pas en harcèlement, hein, en blague, attention. Mais voilà, bon, Destiny 2, beaucoup accroché aussi. L'histoire principale a été finie sur cette chaîne. Je sais pas si c'est à la voix de Girly PS4 quelque part, hein. J'en ai absolument aucune idée. Ah, je sais. Comment on a pu jouer en... Ah, mais si ça joue en coop, quoi. Je sais même pas où c'était. C'est une fille. Ouais, oui, c'en était vraiment une à l'époque. C'était... Il n'y avait pas encore l'époque des fakes. C'en était vraiment une. Mais voilà. Mais je sais plus sa voix là-dedans. Sur 2 heures, on va pas la chercher, je vais pas vous mentir. Hein. Le but, c'est pas non plus de passer 10 ans dans la nostalgie. C'est juste de faire un petit truc parce que j'ai absolument rien préparé pour les 7 ans. Parce que j'avais complètement zappé. Mais voilà, bon, Deadpool fini, Fallout jamais fini en stream, petite déception, pourtant je l'ai commencé 2 fois, mais tranquille. Donc à l'époque, il n'y avait que des streams, hein, que des rediffs de stream, vous le voyez, les miniatures un peu stylées, la sortie de l'Enchantress, excusez-moi, je peux vous mentir que l'Enchantress est un des meilleurs personnages de Injustice 2, parce que putain, elle est charismatique de fou. Mais voilà, un peu de Battlefront, parce que j'adorais Star Wars à l'époque aussi, hein. Voilà, tranquille. Ça existe des filles qui font du gaming en 2018. Même moi, j'ai du mal à en trouver. Tout court, tu veux. Ok, allez. Arrive la 100e vidéo que j'ai faite sur Deadpool, du coup, en finissant le jeu. Et évidemment, la vidéo dure une demi-heure. Sur la demi-heure, il y a un quart d'heure de moi qui galère à passer le boss. Ensuite, là, j'ai streamé avec un autre pote sur Fortnite. C'est là que j'ai commencé à découvrir un peu Fortnite. C'est là que j'ai commencé à me dire que je pue la merde sur Fortnite. Mais ça se voit très rapidement, hein. De toute façon, il suffit de voir le titre des streams. Hein. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, voilà, les amis. Voilà, c'est cool 31, hein. Alors, on sent l'époque. Oui. Un peu nul. On peut voir un petit peu de gameplay. Les gars, ça pue pas la merde, ça c'était le Loki de l'époque. Le Loki, à l'époque, il... Voilà, tranquille, quoi. Maintenir pour garder des trucs avec la pioche. Ah bon. Oui, en plus j'avais oublié, je sais plus qui me l'avait dit. Okay. Je il vient tout sur la fin parce qu'il venait quand on mangeait en fait. Voilà, bon. Ouais. Voilà, tranquille, vous voyez, je découvre le jeu, le truc s'appelle Destruction de Murs parce que je tue tellement personne ouais, que le seul après, truc dont ouais. Je parle c'est que je détruis des murs quoi, mais tranquille. Mais voilà, bon, il y avait quelques trucs comme ça. Les fous de Tilted, oui on popait à Tilted de l'époque, excusez-moi. Gold top 14 avec 2 kills, excusez-moi mesdames et messieurs. Faut avancer que moi, tu veux que je fasse quelle tranche d'âge? 65-70 ans pour les joueuses Tetris. Alors, je sais pas où est-ce que la balle est perdue, mais alors Tetris quand même. Tu peux pas critiquer Tetris alors que c'est incroyable Tetris quand même. Tetris, l'as-tu? Incroyable Tetris, moi je pourrais jouer à Tetris sans problème. Ah voilà, donc là, 1 minute 15. Voilà, la vidéo sur 1 minute 15, Fallout 4, j'arrête. Voilà, bon, voilà, autant vous dire que alors ça... Très rapide avant les lives de la matinée qui vont suivre. Ah oui, les lives, parce qu'à l'époque, quand je changeais de jeu, je changeais de live en fait. Parce que quand tu éteignais le jeu, ça éteignait le live. Donc évidemment, il y a 1 minute 15. Juste pour vous prévenir que les lives de Fallout 4 vont s'arrêter. Alors pourquoi déjà? Bonne question. Voilà. Je sais pas quoi dire, j'ai bidouillé. Je ne prends plus assez de plaisir en fait à... Voilà. Bon, allez, grosso modo, j'étais paumé. Non mais alors là... Ouais, écoutez, enfin, les bitons un peu aussi à l'époque, j'ai fait comme je pouvais. La pure vérité, c'est que j'étais paumé. Je passais... Alors attendez, où est le dernier stream de Fallout? Bon, alors déjà, vous voyez qu'il a fait une sacrée pause. Voilà, j'ai passé 21 minutes à tourner en rond. Voilà, mais c'est une pure vérité, hein. J'ai passé 60 minutes à tourner en rond dans la map, sans savoir où aller. Et ça me pétait les couilles. Voilà, c'est ça la vraie vérité. Voilà, 6 ans après, je vous le dis... Fallout 4 pour l'arrêter parce que j'étais perdu. Tu passeras quand même 2 heures sur Rocket League. Oui, bien sûr, je pense qu'on va y passer au bien 1h30. Déjà de faire le tuto déjà. Si lui, il ne bug pas comme Fallout ou s'il n'est pas impossible à faire comme Elden Ring, bien sûr. En 2018, je jouais à Roblox. Je n'ai jamais lancé Roblox de ma vie, moi. Ma seule fierté de ma vie. Quelques filles dans ma commune, on jouait pas à Tetris. Au secours. Mais voilà, Battlefront 2 également, que j'ai jamais terminé. Alors moi, comparé à certains du chat, hein, Battlefront 2, j'adore, celui de PS4. Personnage incroyable dans l'histoire. Après, le gameplay, bon, c'est sûr que le gameplay du PVP est très différent du premier, du tout premier en tout cas, Battlefront 2. Mais le Battlefront 2 a une très très bonne histoire, assez incroyable en vrai. Le personnage d'Iden Versio est un des meilleurs personnages de Star Wars. Et je n'enlèverai jamais cet avis-là.
Voilà, bon, un peu d'Injustice 2, on essaie d'avoir la capuche de Green Arrow parce que j'étais fan de la série. Je suis toujours assez fan de la série, relativement, ceci dit. On a tenté Injustice 1, que j'avais eu pour un Noël. Injustice 1 venait de Noël. Voilà, ok, ça va, tranquille après. Après, voilà, après, à bout d'un moment, ça devenait surtout des streams un peu chill, de plus en plus lents, surtout. Je streamais le matin, quand mes parents dormaient aussi, parce que je voulais pas les déranger. Et comme la console était dans le salon, eh bien moi je jouais tout simplement dans le salon. Donc pour pas les déranger, parce qu'ils étaient dans le salon, tout ça, moi je faisais le bordel le matin sans les réveiller, bien sûr. Hein, le mode gant de l'infini, on va pas se mentir, hein, montre le titre Fortnite de grosses explosions. Ah oui, ça. Oui, bah alors, le titre n'est pas très important, mais. Sur Fortnite avec Bruno et Clem. Il y avait du monde à Voilà, j'ai l'époque, pas hein. d'autre idée non plus. Mais non, c'était un petit Voilà. stream tranquille, quoi. Le titre, je veux voir cette horreur. C'est un titre normal! Voilà, il y a 1 heure de stream. Voilà, et puis voilà, on était trois, on chillait tranquille. Non, mais si, il n'y a pas énormément de monde. Les voix en écho, parce que je savais pas du tout. Je savais pas du tout régler le son. L'ancien Ah, c'est un Fortnite, quoi. sous-vide quand même. Tranquille, il n'y a rien de. Non, Enfin, il y a un que je joue. Alors après, il faut savoir une Ça chose fait aussi, c'est quoi? que quand j'ai joué à Fortnite, j'ai commencé à avoir un public extrêmement enfantin. Et c'est là que j'ai découvert que YouTube. Et très enfantin en général. J'ai eu 2-3 fans, en effet, qui avaient un âge assez jeune. Et surtout, j'ai eu un gamin, en espérant qu'il ne soit pas là sur ce stream, qui était très 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 gentil, mais qui avait une tendance un peu collante à m'envoyer des demandes d'amis toutes les 4 minutes sur Epic Games. Voilà, bon, j'avoue qu'il me cassait un peu les pieds. Voilà, et puis après, j'ai eu une gamine, et là, Hugo la connaît, une gamine qui était dans mon chat. Et qui m'a lâché dans le plus grand des calmes, t'as quel âge? À l'époque, j'ai dû répondre, du coup, à peu près 17, 18, non, 16, 17, 17, 18, 16, 17, à peu près, je crois, je sais plus exactement. Et la fille a osé me lâcher, t'es quelqu'un de trop gentil pour ton âge. Voilà. Et du coup, autant vous dire que bon, voilà, un public un peu jeune. Tu joues avec des bébés. Oui, j'ai joué avec des bébés, oui. Oui, j'ai joué avec des gens qui étaient extrêmement jeunes. Loki Predator. Il y a 7 ans, on aurait pu m'accuser de ça sans trop de problème, en vrai. Elle loue la camionnette. Bah, elle vient d'être détruite, on va dire que c'est celle-là. Il y avait des gens qui jouaient avec lui normalement, sauf qu'il devait avoir 10 ans. Je suis repassé par cette phase quand je suis parti sur Among Us. Hein. Mais tranquille. Mais voilà, tranquille. J'ai eu un petit moment, en effet, sur Fortnite, où j'avais des gamins, des amis. Voilà. Embrasse dans Un la zone. petit truc un peu chillax, quoi. J'ai fait un peu de tout. Je suis passé par tout le monde. Hein. Voilà. Bon, bref. Voilà. Bon, écoutez, voilà, ça a changé. C'est maintenant je joue avec des gens de mon âge, tranquille. Voilà. Alors bon, après on est allé rager. J'avais d'autres potes. Alors il y a eu des potes avec des dramas des fois. Macromanium, on a eu des dramas à gérer un petit peu plus longtemps après. C'est marrant parce que tous les gens que je connais dans ma vie, même si je me suis engueulé avec eux, mon seul rêve au moment où moi je vais mourir, mon seul rêve c'est de savoir ce que tous les gens que j'ai connus dans ma vie sont devenus en fait plus tard. Genre, tous les gens que j'ai connus au collège, lycée, j'ai envie de savoir ce qu'ils sont devenus un jour dans leur vie. Mais tranquille, quoi. T'es trop gentil pour ton âge. Ouais, je sais, on me le dit tout le temps. Merci. Alors, sur Montel, par contre, que ce soit Loki ou non, je pense qu'on tourne à 12 maintenant. Que ce soit Loki ou non, tout le monde inclus. Ok, ouais, je comprends un petit peu, ouais. Bon, les miniatures, hein, on prenait des moments du jeu, on se faisait pas chier, j'essayais de prendre les plus stylés. J'ai joué à Spider-Man, et je l'ai jamais terminé en stream. Voilà, tranquillement. J'ai fait du Loki, enfin, j'ai déjà fait du Lego DC Villains, voilà tout ça. Et j'ai fait du DC Universe, enfin, j'ai fait pas mal de jeux. Là, c'est le moment un peu où je teste différents jeux. On est quand même il y a 3 ans, hein, c'est plus si vieux que ça, hein, quand même. Et puis, même la saison Fortnite, hein, avec les persos Marvel. Et là, c'est la fin des streams, dernier stream, il y a 3 ans. Et il faut savoir que déjà, il y a moins de 3 ans, j'ai commencé à diffuser des vidéos. Je faisais du montage. Alors, pas sur Premiere Pro, je faisais du montage sur VSDC Video Editor. Alors, là, c'est simple, hein. On cut. On pose des morceaux bout à bout et on espère que le rendu en 720p va plaire aux gens sur YouTube. Alors, il y a eu plusieurs stades de miniatures. Bon, les premières étaient faites par moi. Après, j'ai eu Jean et après, j'ai eu Didi. Les premières étaient faites par moi. Bon, on va pas parler des premières miniatures que j'ai faites dans ma vie parce que c'est une catastrophe absolue et que j'ai eu littéralement zéro talent en montage, d'accord? Ma première vidéo était sur Clash Royale. Alors, il faut m'imaginer, j'ai 15 ans, d'accord? Je rentre de mon cours d'histoire géo. Je prends mon téléphone. Est-ce que j'ai le téléphone factice dans le coin? Non, j'ai mes 200 baguettes de Poképaria, mais j'ai pas le téléphone factice dans le coin. Bon, on va prendre la boîte
la carte SD, on va dire que c'est un téléphone. Je rentre comme ça, je suis là, pouf, 10 abonnés. Qu'est-ce que je fais quand j'ai 10 abonnés? Sachant qu'à l'époque, j'avais une mentalité qui était très... Les followers sont la priorité des streamers, parce que sans vous, bah sans vous, techniquement, nous, on n'est rien. Et bien, je m'étais dit, on va faire une vidéo spéciale 10 abonnés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... Merde, my bad. Faut que je redescende, là? Oh, je vais me faire foutre. Bonjour à tous, c'est Kikoul, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des 10 abonnés. Vous avez le son? Ouais, d'accord. Que vous connaissez, parce que son lien est dans ma chaîne, et c'est son dragon. Salut, salut. Vraiment... 15 ans. 15 ans, on est quoi? On est en 4e, 3e? Donc, soyez gentils, hein, s'il vous plaît. YouTube, je sais que tout le monde aime bien qu'on fait ça. Hein. Voilà. Oui, effectivement, le petit coucou YouTube, passe crème. Non, vous, à l'époque, arrêtez. Ça, par contre, toutes les vidéos que vous avez vues dans vos devis sur. Comment ça s'appelle? Sur Clash Royale, tout le monde lâchait coucou YouTube quand il tournait une vidéo. Tu jouais pas à Brawl Star, psychopathe. Je n'ai jamais lancé Brawl Star de ma vie. Voilà. Mais voilà, tranquille, vous voyez, j'ai fait ça. Puis à l'époque, comme c'est sur téléphone, du coup, il n'y avait que cette partie de l'image qui était prise. Alors du coup, j'ai dû lâcher, là, toute cette partie-là, des petits montages de temps en temps. Alors... Ouais, je jouais Barbare d'élite. Ouais. On n'a pas fait spécialement de blagues en plus, hein. On n'était pas trop raciste à l'époque. 40 minutes, hein, j'ai fait aucun cut par contre, j'ai vraiment posé la vidéo avec des trois images. Voilà, alors voilà, à l'époque, des petits faites-le qui popaient comme ça en comics en MF. Il y a le bouton pour classer sur les plus anciennes sur YouTube. Moi, je suis un vieux sur YouTube, tu sais. Je suis déjà vieux, je l'ai dit. Ça suffit, oui, on critique pas les vidéos d'il y a l'époque. Mais voilà, après, t'as jamais joué à Brawl Stars, mais jamais de ma vie. J'ai fait du Boom Beach, mais j'ai jamais lancé Brawl Stars. Voilà, à l'époque, je jouais ça, bon, tranquille. On faisait beaucoup de 2v2, mais il n'y a pas des moments où je mettais des images un peu cringe. Pourquoi je me souviens... Voilà. Je... Un pouce bleu, on peut... À l'époque... Ah, mais c'est... Ah, mais ça fait mal. J'ai déjà perdu les boutons. Voilà, ça, on mettait des petites images un peu cringe. Bah voilà, ça c'était le montage d'il y a longtemps, d'accord. On va dire que c'était, ça se fait plus. Après, j'ai commencé à jouer un peu à Hearthstone. Et puis après, je me suis dit... J'ai déjà envie de parler d'un personnage incroyable de Marvel. Le supérieur Octopus. Et qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, il fallait que je m'inspire de quelqu'un de connu, à savoir les chaînes un peu, vous savez, les Pokémon Trash avec les petits chibis un peu. Je me dis, il faut que j'ai un petit logo. Et alors, le petit logo, c'est un autocollant qui vient d'Android. Voilà. Alors, voilà, bon, c'est tout. À ce moment-là, c'est tout ce que j'ai à dire, je crois, dans ma vie. Bonjour à tous ceux qui coulent, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc... En plus, à l'époque, j'étais en mode, faut absolument qu'il n'y ait aucun problème de copyright. Donc, plutôt que de prendre des images sur Google, eh ben, les images, alors à part celle-là, qui était totalement libre de droit, voilà, j'ai pris des images du livre, en fait, directement du comic book. Voilà, bon. Ouais, il y a 7 ans. Un peu moins de 7 ans. Quitter à ça de remplacer Alcor en France. Voilà, grosso modo. Hein. Voilà, bon, tranquille, après, chacun a eu ses petits débuts. Voilà, c'est un peu cringe. Mais voilà, faut pas oublier, c'était il y a longtemps. Et après, j'ai commencé à lancer un petit jeu, en effet, que l'astu connaît apparemment, qui s'appelle Friendzone. Et faut savoir une chose, c'est que Friendzone, c'est un jeu, grosso modo, que j'ai failli refaire il y a pas longtemps, mais que c'est tellement chiant de streamer le téléphone que j'ai dit que j'allais me faire voir. Bonjour à tous. C'est un jeu téléphone, grosso modo, où vous avez des discussions SMS. Je peux avoir une discussion qui est pas... Genre, voilà. Hop. Là, on a des discussions avec des gens, et c'est un espèce de jeu à choix, très stylé, si vous avez, vraiment, si vous vous ennuyez, je ne saurais que trop vous conseiller de jouer à ce jeu-là, encore aujourd'hui, c'est un des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie, quand même, je pas, on n'est pas au niveau de Baldur's, hein, mais on est sur un niveau Pokémon noir et blanc 1, quoi, sans trop de problèmes, quoi. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information-là, et grosso modo, il y a 4 jeux. Quand je savais que le 3 était relativement récent, j'ai commencé à faire le 1. En mode, vas-y, on va le tester, tout ça. Et je me discute avec Favilou pour m'occuper. Je pense que Friendzone, c'est mieux. Désolé, Favilou, hein, no offense, je te connais pas trop, mais je suis sûr que, en fait, Friendzone, c'est genre incroyable. C'est genre dans les nuages, tu vois. Tu vois, c'est genre, c'est pas au niveau du soleil, tu vois, mais c'est au niveau des nuages, tu vois. Et donc, voilà, tranquille, je me suis dit, on va commencer à jouer à ce jeu-là. Le 3 est sorti, tranquillement, j'ai fait mes petites vues sur le 3, tranquille. Entre-temps... Friendzone est à Loki ce qu'Alan Wake est à moi.
Ouais, gros, voilà, voilà, exactement, exactement. Non mais voilà, Friendzone était un petit banger, j'ai fait plusieurs fins en plus, on a quand même, on voit quand même 43 minutes, 53 minutes, j'ai fait plusieurs fins. Et non pardon, il y en avait 3 les jeux, il y avait le 3 allait sortir et du coup j'ai fait le 1 et le 2. Et du coup, pareil, j'ai fait une petite vidéo 50 abonnés, alors bonjour. Bon, là on va pas en parler, hein, 22h29, 41% de batterie, j'ai bien mis mon fond d'écran Killer Frost à l'époque, voilà. Et donc, le 3 sort, j'en ai fait cette vidéo et ma vidéo la plus vue de la chaîne. Et j'ai une explication extrêmement simple à ça. Friendzone en France, à l'époque, c'était pas connu. Et c'est toujours pas connu. Il y avait deux streamers, enfin deux youtubeurs, qui pouvaient me concurrencer. Parce que moi, je cherchais pas trop la concurrence, je cherchais juste à être tranquille. Donc il y avait deux streamers qui pouvaient me concurrencer. Doom et Sora. Sauf que eux, leur boulot, c'est de faire de belles vidéos. Moi, j'en ai rien à foutre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, avant d'aller en cours, là, 7h20, 7h20 du matin, je me suis levé sur mon ancien bureau, 7h20 du matin, dans cette chambre-là, hein, exactement cet endroit-là, comme ça, j'ai posé mon téléphone devant moi, et j'ai fait ma vidéo à 7h20 du matin, et je l'ai publiée avant d'aller en cours. Du coup, ma vidéo Friendzone 3, du jeu qui venait de sortir, je l'ai sorti avant Doom, je l'ai sorti avant Sora, et j'étais le seul youtubeur français à sortir cette vidéo en avance. Donc évidemment, je me suis tapé un petit 33 000 vues, parce que j'étais le seul de France à avoir sorti ce jeu-là. Pendant une journée. Alors autant vous dire, pas vous mentir, quand je suis sorti de mes cours avec, à l'époque, 15 000 vues, vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai flex à l'arrêt de bus jusqu'à ce que le bus vienne me prendre. Oui, j'étais un connard insupportable. Mais alors, faut pas donner 33 000 vues à un gamin de 15 ans, quoi. Je comprends pas l'envoi des shorts de Phil Drone qui parle d'un certain parti. Ok. Ouais, ça peut se taper avec Friendzone, je peux comprendre. Alors du coup, j'ai pas abusé du talent, enfin du talent du jeu, hein, j'ai fait beaucoup de... Oui bon, ok, j'ai fait plusieurs fins, vous voyez, je fais des... À l'époque, la série Marvel n'existait pas, que je faisais déjà des what if. Il y en a là-dedans, vous voyez, bon, j'ai bien taffé Friendzone, quoi. Et puis après, il y avait un format qui s'appelait À vous de jouer. En gros, vous proposiez un petit peu vos jeux. Donc, du coup, je tapais des jeux un peu random par moment. Et là, j'ai commencé à faire des nouvelles vidéos médias, Prélude Infinity War. Et alors ça... Vous savez pourquoi c'est le summum de mes vidéos YouTube de l'époque? Parce que c'était pas du montage sur Premiere Pro, c'était PowerPoint. Bonjour à tous, c'est Kikoul, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour de nouvelles. Pardon, ça vous fait pas d'effet, moi ça m'en fait parce que PowerPoint, mesdames et messieurs. Genre j'étais comme ça, j'avais appris mon texte par cœur, et j'appuyais sur espace quoi. Écoutez, on va parler du film un peu. Et ça faisait son effet parce que. Mais du coup, les images apparaissent avec classe, quoi. Tu vois, déjà avant, qu'est-ce que c'est? C'est l'équipe des Vengeurs. Voilà, ok, excusez-moi, c'est pas ces Vengeurs-là, c'est plutôt ceux-là, voilà, c'est ces Vengeurs-là. Et voilà, vous voyez, il y avait du travail, il y avait du PowerPoint, il y avait des images, je devais improviser que dans ma tête, j'allais parler de différentes équipes d'Avengers. Et ouais. Bon, après, l'image, elle est mal coupée ici, on voit qu'il y en a une autre, mais 15 ans, d'accord. Je comprends, je flex mes vues sur mes photos Google Maps à ma famille, je comprends. Je flex également les photos quand je les ai mises une fois dans ma vie. L'oral de stage, exactement. C'est ça qui a inspiré mes vidéos comme ça. Mais tranquille, j'ai vite arrêté, j'ai vite compris que c'était de la merde. Mais j'ai pas arrêté tout de suite, ceci dit. Donc voilà, on a refait différents trucs, on a refait différentes vidéos plus ou moins classiques, on a fait un peu de Pokémon Go, alors bien sûr, loin de chez moi, parce que je voulais pas que les gens captent mon adresse. Hein. Et là, j'ai commencé à faire une pub pour un serveur Discord. Et j'ai commencé à faire ma première minia tout seul. Et quelle idée m'est venue quand j'ai eu l'idée de faire une minia? Eh bien, j'ai mis le logo Discord, bien, mais alors bien dégueulasse, bien comme ça, sur les yeux de Captain America. Et je me suis dit, la miniature est incroyable. Faut encore que je redescende, mais je me tape tranquille. On va redescendre. Bonjour à tous, là, ok, j'espère que vous allez... Alors oui, ah, c'est pareil! Faut que j'avoue quelque chose, faut que je me confesse. Je vous ai menti pendant quelques années, en vrai. C'est juste pour quelques... Il faut que j'avoue, parce qu'il y en avait un qui l'avait mal pris, et... Je vais m'occuper. Il faut que je l'avoue. Très rapidement. Première annonce, en début de vidéo, parce que je parle quelqu'un qui vous fait attendre, c'est que la vidéo, pour moi, elle sort, on va être... le jeudi 12 juillet... Alors déjà... Non mais, là c'est pile la moitié. Donc en fait, ça aurait été pareil de redescendre ou de remonter. Je te jure. Je te jure, ça aurait été pareil. C'est la moitié, là. On n'est plus tout en bas. C'est fini tout en bas. Je te jure, ça aurait été la même chose. Je te jure, l'astu.
Mais du coup, voilà, à l'époque, alors là, on peut voir à l'époque déjà quelques petits trucs de RP. Bon, voilà, tranquille, j'étais modérateur, mais c'est pas pour flex. Personnellement, ça, donc, voilà, alors là, on voit déjà qu'à l'époque, j'avais plusieurs serveurs. Bon, tranquille, il y a des plusieurs serveurs de tout genre, quoi. Il y avait des règles. Et oui, non, mais il y avait des règles à l'époque. Alors, mesdames et messieurs, si vous connaissez pas le RP sur Discord, grosso modo, vous êtes sur Discord et vous jouez un personnage dans différents contextes. Et voilà, sur un RP à long terme. Voilà. Donc à l'époque, il y avait des règles. Évidemment, ben voilà, hein, on respecte tout le monde, quoi. Bien sûr, hein, on respecte tout le monde. Pardon. Non, mais alors, ce que vous savez pas, par contre, c'est que je vais vous dire un truc très réel. C'est que, à titre personnel, je me suis pas rongé la santé sur les RP. Mais en troisième, donc le moment où j'ai commencé à lâcher un peu le côté un peu scolaire, sans devenir non plus un mec qui est tapé des zéros, mais c'est à cause du RP. Parce que je faisais du RP jusqu'à 1h du matin. Pendant le brevet. Et j'ai eu mon brevet. Faites pas comme moi. J'ai connu cette petite serveur, c'est terrible. Même moi, j'étais modo de RP Fantasy à l'époque. Faites pas comme c'était dur à faire. Alors moi, j'étais... Alors attention, parce qu'il y a une histoire derrière ce serveur. À l'époque, je cherchais à faire de la pub sur mes serveurs. Il y a un mec qui est venu, et il m'a dit, si tu veux, je peux te faire un truc pour ton serveur. Je lui ai dit, ouais, ok, pas de soucis, ça marche. Et il m'a dit, en échange, il faudrait que tu fasses de la pub pour mon serveur RP. Et j'ai découvert le truc, et je lui ai dit, vas-y, je peux jouer Loki. Et il m'a dit, ah ouais, mais normalement, Loki, il est mort à la fin d'Infinity War. Désolé si je spoil, c'est bon, ça fait longtemps. Et je lui ai dit, ah, bah dommage. Il m'a dit, non, vas-y, joue Loki, on fera comme s'il avait survécu. Et oui, mesdames et messieurs, Loki. Et donc, du coup, j'ai rejoint le serveur en tant que modo, parce que je l'ai aidé à faire un peu tout le côté un petit peu pub, vous voyez. Non, j'étais déjà un commercial à l'époque, bien sûr. Et puis, bon voilà, je peux avoir un petit exemple de RP vite fait. Il y avait des listes avec... alors, à l'époque, il faut savoir une chose. Il m'a spoil, je vais pas m'en remettre. Il faut savoir une chose, c'est qu'on avait beaucoup de concurrents à l'époque, et qu'il y avait des gens, dont je ne nommerai pas les noms, qui volaient un peu des listes, et des fois, c'était plus ou moins difficile ou facile de se faire repérer quand on volait une liste. Mais voilà, il y avait des listes à l'époque. Là, vous voyez, Ella a été prise. Alors, tous les autres n'étaient pas pris. Après, vous me direz, qui, en RP, veut prendre Taserface? Bon, voilà, en tout cas, il était dans la liste. À l'époque, on laissait Graviton de dispo aussi. On se disait, vas-y, on pense pas que Graviton pose trop de problèmes. Bon, tranquille, quoi. Hein, sur Terre, Dormammu... Ben voilà, on avait une certaine liberté. Il y a les Inhumains de dispo. Ah bah frérot, personne ne jouait les Inhumains à l'époque. On a eu des Inhumains, mais bon. On peut avoir un petit action RP un peu pour montrer aux gens comment on RP. Discord. Y a pas un petit RP là à montrer? Ah, vite fait. La manière du serveur, c'est des insultes. De ma vie en ce moment, mais généralement, dans ce cas-là, vous vous en foutez totalement. Pas, y a même pas un exemple, c'est quoi cette pub de merde? Ah oui, donc j'ai fait un exemple, mais j'ai même pas montré comment on RP, quoi. Allez, voilà, alors les aides sont. Aide pour le RP. C'est le seul film Marvel que j'ai vu avec Black Panther 2. J'ai pas vu Black Panther 2, t'as vu plus de films que moi. Je vais rejoindre Flash Noir sans nerf. Mais voilà, bon, exemple, arrive et prend son spectre, son sceptre, voilà, j'étais en mode, bon bah voilà, ça c'est du RP. Mais voilà, donc, grosso modo, il y avait ça, et le RP m'a beaucoup foiré la santé, parce que, à un moment donné, sur un autre serveur, pas celui-là, hein, sinon je ferais pas de la pub pour celui-là, il y avait une embrouille, tous les soirs. Tous les soirs. C'était une horreur, vraiment. Ça, pour insulte, aucun d'entre nous va pire de RP. Oui, non mais c'est réel, hein, c'est très réel. Hein. Après, les bans pour insultes, t'es jamais pris au sérieux, hein, mais tranquille. Mais voilà, il y avait plusieurs serveurs, voilà. Et, alors, du coup, j'ai pas vraiment de traces écrites, malheureusement, sur celui-là. J'étais responsable de la moitié des dramas. En vrai, à une époque, mais c'était sur un autre, c'était sur le DCM. Le DCM, il y avait des embrouilles tous les jours, c'était une horreur. Et, dans cette époque-là, à peu près, je sais plus exactement quand, j'ai changé de pseudo. De Kikool, je suis passé à Loki. Mais est-ce que... J'ai fait ça très spécialement. J'ai fait un sondage sur Facebook. Alors, ça peut prêter à confusion que les gens se disent « Attends, frérot, t'as fait un sondage sur Facebook, qu'est-ce que tu racontes? Ferme ta gueule. » En fait, je voulais... Il y avait plusieurs propositions de noms. Il y avait Loki, qui venait d'un pote, comme vous connaissez maintenant. Il y avait Crapaud Baveux, et il y avait Kikool du 31. Et moi, je comptais faire un sondage tous les ans pour changer de pseudo.
Et en fait, le truc, c'est que le sondage, je l'ai laissé, je crois, une semaine. Je crois, si mes souvenirs sont bons. Et Crapaud Baveux, elle est un peu gagnée. Et j'étais en mode, mais en fait, Loki, ça a un peu plus de flow que Crapaud Baveux. Du coup, j'ai peut-être, je dois avouer, parce que quelqu'un l'avait dit, et j'ai nié à l'époque. Maintenant, 5 ans plus tard, je reconnais mon erreur. J'ai peut-être créé 2 comptes secondaires sur Facebook, le temps de voter, et d'influencer le vote pour que je garde Loki. Après, excusez-moi, mais Crapaud Baveux, ça m'intéressait pas tant que ça. Donc oui, je vous ai pas trop laissé de liberté. Loki, à la base, est né sur une fraude. Bon, excusez-moi, j'ai fait comme je pouvais, je voulais pas de Crapaud Baveux. Voilà, je... T'as mon poème sur ta cruelle, bien sûr. Ah mais, Mick, je suis sérieux, il est prêt depuis un mois. Je dois l'avoir quelque part sur mon téléphone. Gros downgrade de pseudo. D'accord, Brickback ancien pseudo. Mais il est ravagé pour Crapaud Baveux. Non mais, on veut le Crapaud Baveux cuit. Laissez-moi vivre. Mais voilà. Et après, j'ai fait une pause ici. Apparemment, je m'en souviens. Enfin, je sais pas quelle était là, la pause, mais j'ai fait une pause de vidéo. Et il y a un moment donné, je me suis dit, il faut que je m'y remette. J'ai découvert le montage et je me suis dit, il faut que je me remette au boulot. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé, j'ai fait une vidéo sur reprise de la chaîne. J'ai refait Friendzone en mode un peu plus sérieux, le 4 cette fois. Hein, voilà. Alors, évidemment, à l'époque, aucune insulte sur YouTube. Brian, espèce de sale type. Ouais. Et là, j'ai fait du tournoi des champions. Pourquoi? Parce que tournoi des champions, voilà, je soutiens Loki. Voilà, exactement. 450 heures, t'es malade par contre. Mais ces jeux-là, ils ont une histoire qui est... Ils ont une histoire, ces jeux-là. Ils ont vraiment une histoire, et elle est intéressante. Et je voulais la montrer en vidéo. Le truc, c'est que ça, à l'époque, on était en plein été. J'étais chez mes grands-parents, et le seul timing que j'avais pour faire les vidéos, si mes souvenirs sont bons, si on voit l'heure là-dessus... Est-ce qu'on voit l'heure? Bonjour à tous, c'est Loki. Voilà, 1h du matin. 1h du matin, j'étais tranquille, sur la table, dans le salon, tout le monde dormait. Et j'étais en train de faire mes petites vidéos. Et je l'ai fait plusieurs fois. Ensuite, bon, il y avait ce pote avec qui j'ai joué à Fortnite, à qui je devais une vidéo pour dire qu'il était meilleur que moi à Fortnite, comme il m'avait battu. Je lui devais depuis 3 ans. Hein, 6 ans, 3 ans, j'ai mis 3 ans à la faire. Une fois que j'ai compris les règles du montage, j'ai tranquillement fait sa vidéo. 3 ans après. Il m'a remercié, hein, parce qu'il l'a vu, évidemment. 3 ans après, il me suivait encore, il a vu la vidéo, il m'a dit « Ah, elle est clean !» Elle était dégueulasse, mais tranquille. Toujours déçu par Brian. Tranquille, tranquille. On va faire comme si... Mais écoutez, à l'époque, j'étais investi. Et là arrive l'époque où j'étais à 3, mesdames et messieurs, en train de faire du droit. Donc à 3, c'était un logement du Crous. La connexion internet puait la merde. Donc j'étais sur ma 4G. Et j'étais en mode, il faut que je lance plein de formats. Il faut que je me divertisse pour jouer à tous les jeux. Marvel Future Fight, Among Us, Fortnite, League of Legends. Je tournais en boucle, j'en avais rien à foutre. Valorant, j'en avais rien à foutre. Ça me plaisait. Donc j'ai joué à des jeux, j'ai joué à plusieurs jeux. Et à un moment donné, j'ai eu la chance de jouer à Among Us avec Skyheart. Sauf que, là vous allez voir le plus gros problème de... Très rapidement, vous allez... Très... Il y avait des intros. C'était mieux travaillé, regardez bien. Eh ouais. Eh ouais. C'était bossé. Voilà, bon bref, on n'en parlera pas de l'intro trop longtemps, s'il vous plaît. En fait, le truc, c'est que... Donc on jouait à Among Us, donc là voilà, vraiment les pseudos, c'est vraiment une des games de voilà, tranquille. Le truc c'est que, juste avant, c'était il y a 3 ans le Covid, et ouais. Et en fait le truc c'est que mon PC, il tenait pas Among Us et Discord. Donc j'ai streamé Among Us avec le PC, mais la discussion Discord était sur mon téléphone. Donc vous avez ma voix à moi. J'ai une partie et moi, on était voilà. Admin. Mais vous avez pas les réponses. Parce qu'elle était sur le téléphone. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, Loki, tu pues la merde. Faut que tu aies une occasion de fou, de faire une vidéo de fou, mais elle pue la merde. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas très sérieux. Et c'est là que je me suis dit, putain, commence à faire du vrai montage. Et là, bon, c'est pas tout de suite meilleur, mais c'est là que j'ai commencé à me dire, faut que je me bouge mon cul un petit peu. Mais on jouait à Among Us en permo-lycée. Ah, moi, en permo-lycée, je jouais pas, quoi. Je jouais au Uno, quoi. Et je gagnais beaucoup. Ouais, je suis un petit pro du Uno, mais j'ai pas envie de flex. Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire quelques vidéos. J'ai fait du montage, alors c'est un peu plus sérieux, mais c'est toujours pas... Voilà, c'était il y a 3 ans, hein. J'ai vraiment beaucoup blow up, hein, je vous assure, hein. Ça se voit peut-être pas, mais... On peut voir un petit peu de montage que j'ai fait. J'en ai marre. Critiquez pas. Une chose à dire, c'est...
Pourquoi ça buzz quand je... Voilà, alors... Moi, ce que je pense, c'est que tout le monde a le droit à l'erreur. Ça, c'est mon erreur. C'est d'avoir cru que ça, c'était une bulle de discussion, et que c'était aussi bien que Marvel à faire des petites bulles de BD avec de la police un peu... Avec les petites lignes rouges en plus. Bon, écoutez, chacun a essayé de faire son style. J'ai tenté un truc. Bon, à l'époque, ça fonctionnait pas trop, mais dites-vous que voilà, ça a fait son petit effet. Alors, j'avais également mon petit truc d'outro qui pétait un peu le swag. Je me permets de flex rapidement sur ça. Voilà. Ah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, déposer un like. Et ouais, c'était beau. Mais voilà. Bon, écoutez, chacun ses erreurs sur Among Us. Et après, tranquillement, pareil, on retourne sur d'autres jeux. Watch Dogs Legion, Pokémon Blanc. Et alors, Pokémon Blanc, je la connaissais tout trop, elle est restée longtemps. Et Pokémon Blanc 2, il y avait un petit problème que vous allez, je pense, très vite capter. Attention à vos oreilles. Hein. Déjà, ça a du swag, ça. Non, ça a du swag, mais j'ai rien fait de tout ça. Voilà. Mais tranquille, quoi. Vous allez très vite capter le problème. Et bonjour à tous, c'est Loki le Téléreux, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon Blanc 2. Évidemment, c'est tout de suite. Voilà. Alors, chacun avait ses problèmes, je pense. D'accord. Meilleure qualité. D'accord, ok. Chacun avait ses problèmes à l'époque, je trouve. Voilà. Le plus gros problème, bon, certes, j'avais complètement oublié qu'il y avait cette vipélière posée comme ça, mais tranquille. Non, le plus gros problème, c'est surtout que le son de l'émulateur, je ne savais pas comment le régler à l'époque, du coup le son du jeu était 30 000 fois plus fort que le son de ma voix, c'était une catastrophe. Donc là, tranquillement, on avance, toujours, je tente un peu d'Among Us, je tente un peu d'Harry Potter, j'avais créé un événement Among Us qui a complètement flop parce que, en fait, c'est dur de poser des règles sur Among Us autre que le jeu. Même sur une patate, le jeu aurait été plus visible. D'accord, ok, je sais pas comment je vais le prendre, je vais faire comme si je l'avais jamais vu en vrai, tranquille. Mais, et donc du coup, en vrai de vrai... J'étais en mode, on va créer un tournoi Among Us. Et le but, ça va être des points en fonction du nombre de kills, tout ça. Et les gens cherchaient à avoir des points. Et si mes souvenirs sont bons, techniquement parlant, je dois de l'argent à Mick. Parce que Mick a gagné le tournoi. Mais tranquille, je dois 30 balles. Dans le premier degré, je dois 30 balles à Mick. Hein. Mais tranquille, ma vie va bien, quoi. Parce qu'en fait, le mec, alors je vais vous dire, hein, Mick est génial, mais Mick est un peu un connard. C'est qu'il a refusé. Je lui ai dit, vas-y, t'as gagné. Il m'a dit, ouais, non, t'inquiète. Il est venu. Il a fini premier, il s'est cassé. Rien à foutre. Mais tranquille, le truc a flop tranquillement. Je crois que les 10 derniers jours, il n'y avait même plus de tournoi. À la base, c'était un stream par jour sur Among Us. Ça a complètement floppé. Je vais laisser tomber. On est à fond dans ton live maintenant. Fais-nous voir ton niveau sur Rocket League. On est presque à la fin. Promis, je vais vous laisser tranquille. Mick, le giga chad. Ah ouais, non mais, hein, mais le boss. Hein, le boss. Hein. Vraiment une merde ce Mick. Hein. Et là, arrive le moment donné où j'ai envie de faire un peu du propre. J'ai envie qu'il y ait de la qualité. Et là. Quelqu'un que vous avez vu passer dans mes streams à un moment donné m'a fait une très belle miniature qui, je sais pas si vous la voyez très bien, parce que j'ai plus la vidéo de la photo de base, je suis dégoûté. J'aurais aimé vous la montrer sur grand écran. Mais la miniature est méga clean, parce que c'est en référence à Thor et Loki. Voilà, littéralement. Et j'adore cette miniature, c'est une des plus belles miniatures que j'ai, parce que Loki, quoi, putain. Mais voilà, tranquille, j'étais matrixé par Marvel. Et là, pouf, nouvelle année, pouf. Là, je tente des nouveaux trucs, alors toujours du Pokémon. Et je tente là Yumi's Adventure hein, sur League of Legends avec les miniatures par Jean. Et je continue à tenter des nouvelles miniatures. Alors, je les faisais sur Paint, mes miniatures. Voilà. C'est le moment donné où je me suis dit, je suis un graphiste, les gars. J'y vais. J'ai fait du Paint. Voilà. Et vous voyez le texte un petit peu 3D, là quand je pensais que c'était un peu stylé. Ben, ça, c'était moi. Voilà. Donc, vous voyez la différence entre les méthodes de Jean et les miennes. Voilà, petite comparaison en deux spies. Voilà, les petites pommes à la reprise post-déconfinement, bien sûr, on est tous contents. Voilà, je tentais des petits trucs avec le logo un peu en 3D. Je tentais différents trucs, hein, mais c'était une catastrophe. J'ai vite compris que c'était pas mon truc, la miniature. J'ai plus dit que la police, toute fine, lisible. Non, mais la police, elle est clean. Hein. Moi, je la lis. Là, d'ici, je la lis. Bon, la mine est lisible, mais les couleurs sont dégueulasses, quoi. Toi, ça va, c'était du blanc qui ressortait. Ça prend. Evelyne prend sa revanche, elle était méga clean. Et donc, j'ai tenté plusieurs formats, pareil. Hein, voilà, on monte, on monte, on monte. Et là, j'ai tenté un stream. Le premier stream de la chaîne, 24 heures. J'ai... Alors, bon, on parlera pas des miniatures complètement catastrophiques que j'ai fait, encore moins de celle de Battlefront, où je lève la main droite comme
une certaine nation à un moment donné dans les années 40. Mais voilà. Et du coup, j'ai fait plusieurs trucs, dont du Star Wars TOR, je sais plus comment on dit en entier le titre. Et là, j'étais tout seul. Là, c'était la phase un petit peu compliquée. Hein. J'ai eu un petit peu de mal à tenir. Et après, on est à 7h du matin, 8h, on est arrivé avec le culte des cochons. Oui, mesdames et messieurs, ça, je ne dirais pas qui il y avait dedans. Il y avait le culte des cochons et il y avait notre fameux modérateur, Hugo. Hein, voilà, la meilleure nation. Je me prononcerai pas là-dessus. Pour info, j'étais déjà sub à l'époque. Tu flex. Mais voilà, il y avait du GeoGuessr. Alors, GeoGuessr, on en refera un jour, mais tranquille. Hein. Voilà, on a fait un peu tous les jeux. Et après, pouf, on remonte un petit peu, on fait d'autres jeux, tac, tac, du jeu Lego. Voilà, et là, je tente un nouveau style de miniature. Je mets un fond vert. Et j'espère que ça soit beau. Et c'était un échec total. On va laisser tomber les fonds verts comme ça, dégueulasse. J'ai tenté des trucs un peu comme ça. J'ai tenté des best-of. J'ai tenté un best-of, parce qu'il y avait des blagues. C'est marrant, les deux modérateurs qui sont là, Gene et Mick, le best-of, hein, c'est un peu de votre faute, c'est complètement de votre faute. Mais tranquille. Bon, allez, donne-moi mon argent de tournoi, on en a assez ri. De toute façon, si un jour tu viens et que tu me dis, frérot, tu me dois 30 balles, je te dois 30 balles, c'est la vérité. Donner de l'argent aussi. Oui, Hugo, t'inquiète pas, je vais t'acheter la photo que je t'ai envoyée, tu vas voir. Mais voilà. Et après, j'ai tenté des packs opening de Lego. Bon, c'était un peu flopesque, je le ferai un peu différemment. Pareil, je tente des trucs. Voilà. Une petite interview avec Monsieur Chap. En rapport avec un Mineshap qu'on avait fait. Et là, j'ai tenté des miniatures qui étaient un peu plus banger qu'avant. J'ai repris Narcorod parce que j'étais en mode, ah, les gars, les anciens jeux, faudrait que je les finisse. Donc j'ai fini Narcorod en stream il y a 2 ans. Voilà, des miniatures. Ma première vidéo de bouffe. On m'en parle encore aujourd'hui, hein, c'est pour vous dire. Non, c'est ma deuxième vidéo de bouffe. Il y avait une autre chaîne, mais je vous la montrerai pas. La deuxième chaîne est un peu plus honteuse, donc je vous la montrerai pas. Mais 500€, je me souviens. Ok. C'était le matchup du drama. Non, c'était avant celui-là. Celui du drama, premier degré. Je suis très sérieux. J'ai perdu les rushs. Je l'avais dit à Hugo le jour même, quasiment. Je dis, frérot, j'ai perdu les rushs. Ça fait 2 fois. Dans ma vie, j'ai perdu 2 rushs, enfin 2 séries de rushs, en supprimant sans faire exprès un fichier. Du League of Legends, du Minecraft. Là, ça m'arrive plus, mais si ça m'arrive un jour, j'ai envie de mourir, quoi. Salut, Strogaf, comment ça va? Et donc là, pareil, Uncharted, Narcorod, Mineshap. Le Mineshap, évidemment, des vidéos qui durent entre 40 et 20 minutes, suivant ce qu'il y a à montrer. À chaque fois, je changeais de skin à chaque vidéo. Ça en saoulait certains, mais je ne donnerai pas leur nom. Et pareil, miniature, paint. Et là, je me dis, il faut être un peu sérieux. Je vais engager plus de miniatures. Et là, j'ai engagé Jean. Un peu plus tard, mais je les ai changés avant. Et j'ai fait du Mao Galaxy. Mao Galaxy, gros banger. Hein. Lego, pareil, gros banger. Et là, on est dans la phase un petit peu plus actuelle. Et entre temps, j'ai perdu mon premier compte Twitch. Là, vous êtes sur le deuxième, en fait. Le premier, si vous tapez sur Twitch Loki, le dieu des pommes, la chaîne existe. Seulement, le numéro de téléphone n'est pas le bon. Mais juste pour ça, je ne peux pas récupérer ni mon compte, ni mon pseudo. Voilà la raison pour laquelle je m'appelle Loki Lofayson sur ce compte Twitch, alors que j'adorerais m'appeler Loki, le dieu des pommes. Mais voilà, je suis niqué à cause de Twitch. Et j'ai tenté un Nudge Loki. Alors là, le pseudo vient de l'astu. Et l'astu m'a fait perdre littéralement 2 heures sur ce tournoi. Je pense que tu ne veux pas te prononcer l'astu. Parce que l'astu est arrivé. Et j'étais dans la ville d'Ogoès. Non, pas Ogoès. J'étais pas Ogoès. Je sais plus quelle ville j'étais. J'arrivais devant une ville, devant l'arène d'Aloé. C'est pas Ogoès. Je confonds le nom de la ville. J'ai pas la ville d'Aloé. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette ville. C'est la deuxième ville qu'on croise. Maya. Merci Hugo. C'est la ville de Maya. J'étais devant l'arène. Et il me parle, et je devais arrêter mon stream, et il me parlait. Comme ça, il me parlait. J'ai tenu 2 heures de discussion sans couper mon stream, sans bouger mon perso. 2 heures. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais quel connard, cela se tue. Mais voilà, j'ai tenté un peu quelques petites vidéos, et puis je tentais des clips du mois, hein, tous les clips que vous faisiez finissaient sur YouTube à l'époque. Et là, après, on est arrivé dans le format que vous connaissez aujourd'hui. On était en Vogue. Oui, là, on était en Vogue. Oui. T'étais arrivé en Vogue pour me tenir compagnie pendant le. Comment ça s'appelle ? Pendant le tournoi, enfin pendant le Nuzlocke. Et après, voilà, Pokémon Réunion, bon, vous connaissez tout ça, et on en est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui. Et sachez qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, on est encore mieux lotis qu'aujourd'hui, parce que maintenant, les vidéos sont ralenties. Oui, j'ai vu la vidéo. Balance son streamer. Mais voilà, aujourd'hui, c'est les Apple Awards. Aujourd'hui, vous avez moins de vidéos qu'avant, mais elles sont plus qualitatives. Et je peux vous dire, mesdames et messieurs, qu'actuellement, j'ai un Google Doc qui a 23 pages de scénario pour la vidéo Pokémon Réunion.
et j'ai pas fini d'écrire. Voilà. Alors après, il y a des gens qui vont me relire un peu, parce qu'il faudrait que je vérifie un petit peu pour être sûr que c'est pas trop nul ce que j'écris. Notamment Hugo, faudrait que je lui demande de vérifier 2-3 trucs aussi, parce qu'il écrit aussi. Bon, je lui demanderai pas. De toute façon, je demanderai à plusieurs personnes de relire un peu, j'en ai deux en tête. Mais voilà, notamment Hugo et Jean, c'est vrai, parce qu'ils sont très bons en orthographe et que ça ne suffit pas trop de lire en général. Mais c'est surtout, voilà, vous n'avez pas besoin de lire les 23 pages. Mais voilà, c'est vrai que voilà, il faudra lire un petit peu juste 2-3 passages, histoire que j'écris pas trop de la merde. Et j'avoue qu'il y a 2-3 mots où je cherche avec ChatGPT, mais ça c'est tranquille, pour éviter les répétitions. Mais voilà, voilà, grosso modo, voilà ce qui s'est passé en 7 ans. Voilà, ça, c'est fait. Pokémon TCG. Je n'ai pas rejoué depuis quelques temps, ouais. Il y a un moment donné où je le faisais régulièrement, et je vois que je le fais plus trop régulièrement, parce que je trouve ça un peu plus compliqué. Mais là, régulièrement, ça fait... Il y a même moins de jeux que je fais régulièrement. Le seul que je fais régulièrement, c'est Pokérogue. Voilà. Voilà, train de life, niveau moins 5. Attends, j'ai un poème à te donner, Amic. Alors. Attends, Hugo, j'ai un poème à donner, Amic. Un poème sur Tintin Cruel. RNR. Wow. De toute façon, ceux qui sont LFI, vous pouvez vous barrer, je pense, en vrai. Alors. Waouh, je tousse beaucoup, là. Ah, mais non, c'est pas sur le tel. Ah, si, c'est sur le tel. Mais non, c'est pas sur le tel. Enfin, on peut les poser sur le... Mais bien sûr, je peux oublier. Tu me connais, ça fait tout ça sérieusement. Alors. Je sais plus où est-ce que je l'ai écrit, par contre. Vous êtes pas... Non, c'est bon, vous voyez pas. Mick, la vidéo que je t'avais, le vocal que je t'avais envoyé, le test musique, tu l'as vraiment écouté ou pas? C'était juste pour savoir, j'y repense parce que je tombe dessus là. Non. Oh, dommage. Ça t'aurait plu à peu comme style de musique, je pense. Ça t'aurait vraiment fait kiffer, je pense. Alors. Alors. Ça, c'est mes notes sur Okai. Ah, Tintin Cruel, voilà. Alors, dans 800 points, j'ai la tier list au choix. De toute façon, les points, je vais les changer bientôt, vous allez voir, avec quelques petits changements que je vais faire un petit peu. Enfin, la tier list, je la changerai pas, par contre. J'ai 11 000... Oh putain, là, ça raccroche, c'est sûr, j'y coupe pas. Un jour, je t'aurai, Mick. Je te promets. Un jour, je t'aurai. Je t'aurai, Mick. Je te jure. Je te jure, Mick, un jour, je t'aurai sur un recroll. Mais oui, c'en était. Alors... Le poème pour Monsieur Mick. J'ai pas été méga inspiré, mais je fais comme je peux. Tintin Cruel est un Pokémon de type eau. De par son type, ce n'est donc pas un alcoolo. J'ai fait comme je pouvais. Pourtant, je l'ai vu apparaître en gros géant, alors que mes souvenirs sont dans le néant. Je suis pas poète. Hein. Le Pokédex lui donne 80 tentacules. Les illustrations lui en donnent pourtant 14. Quelqu'un chez Nintendo a merdé les calculs. Et là, merde, aucun mot ne rime avec 14. Voilà quoi. Papa de Loki, c'est useless. Il arrive à dire ça en montrant son visage quand même. Alors qu'il banne ses viewers sans raison. J'ai jamais ban un viewer sans raison, faut le savoir. J'ai jamais ban un viewer sans raison. Qu'on m'en donne la preuve. A savoir que les oui-dire et les mots ne suffisent pas, bien sûr, mais tranquille, quoi. En plus, parfait! Google a l'image du Tentacruel géant! Je peux clairement le mettre dans l'image pour illustrer. C'est parfait. C'est parfait. Alors, c'est nickel. Oh, la catastrophe du truc. Alors, le poème s'intitule Tentacruel, du coup, si vous n'avez pas compris. Tentacruel. Mais voilà quoi. Il arrive à dire ça en montrant son visage. Ça va, j'ai fait pire en montrant mon visage quoi. Le film porno. Excusez-moi, je suis malade. J'ai des quintes de tout et tout là. Je. Alors. Pardon. Le poème. Voilà. Voilà, il est clean le poème. En plus, j'ai l'image. Vraiment, j'ai l'image du l'épisode Pokémon où les Pokémon sont géants quoi. Allez, voilà. T'as chié ce Tintin Cruel, puis tu l'as enterré. Non, arrête! Arrête, j'ai pas chié dessus, t'es dur. 6 mois. Mais t'as des preuves, l'as-tu? Pendant la pause, réfléchis aux preuves, l'as-tu?
C'est pas bien pour Zacruel, je vais appeler Reptincelle. Mais Reptincelle, lui, par contre, Reptincelle, je suis dessus. Hein. Allez, on va passer au Rocket League. Là, je crois qu'il y a des gens qui sont un peu impatients. Allez, si vous permettez, petite pause et on passe sur Rocket League.